tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le retour des cours chez Leclerc. Du coup, j'ai pris deux pavés de saumon, environ 1 kg de clémentine, un sachet de courgettes, un chou-fleur. Un chou chinois, je voulais faire du kimchi. Okay. Filet de rôti de porc. J'ai pris deux steaks de thon. J'ai pris 4 tranches de chocolat d'Alaska. J'ai pris 4 steaks surgelés. J'ai pris un filet de tomate. J'ai pris deux boîtes d'olive verte. J'ai pris un filet d'avocat. J'ai pris un filet d'avocat. J'ai pris deux paquets de blanc de poulet. Voilà. Et pour finir, j'ai pris 1 kg de cuisses de poulet. Voilà. Je vais essayer de manger pendant une semaine. Je vais essayer de manger sainement pendant une semaine. Pour deux personnes, tout ça, j'en ai payé à peu près, à peu près 50 euros. Je vais faire une vidéo ce que je vais cuisiner avec tout ce que j'ai acheté. Donc voilà. Maintenant, je vais préparer le plat ce soir. Du coup, je vais montrer ce que je vais faire à manger. Aujourd'hui, je vais cuisiner pas à la sauce moutarde. Du coup, j'en ai besoin de la crème entière, du vin blanc, des olives, du sel, de la moutarde, du porc, du beurre, des carottes, un oignon et 2 gousses d'ail. Et c'est parti. Voilà, j'ai tout préparé. Du coup, j'ai coupé en petits morceaux les carottes. J'ai coupé en petites cubes les oignons et aussi l'ail, j'ai coupé tout petit et voilà. Maintenant, je vais cuisiner. J'ai mis un peu de l'huile.
aujourd'hui, je vais cuisiner du thon à la sauce citron. J'ai besoin des thons, j'ai besoin des steaks de thon, du beurre, du persil, de la crème, 2 œufs, un citron et une courgette. En accompagnement, il y aura des courgettes et du riz. Aujourd'hui, ça sera spaghetti aux courgettes à la bolognaise. J'ai besoin de courgettes, des oignons, de l'ail, de la sauce tomate, des steaks, du parmesan, des spaghetti et du emmental. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire poulet à la sauce pesto au poivron. Donc, j'en ai besoin des poivrons, du parmesan, j'ai besoin de pignons de pain, des blancs poulet, de l'ail, poivre, du sel et de l'huile d'olive. Tout d'abord, je vais faire les poivrons cuits au four et poulet aussi.